Bonjour à tous. Pour vivre dans l'élan de notre documentaire La pêche intérieure avec l'artiste Marc Auville, je vous propose, comme d'habitude, une parole, une image et un geste. La parole, c'est celle de Marc Auville, disant qu'il crée à partir de rien. Il récupère des matériaux dont on n'a plus usage et il en fait des œuvres d'art. C'est en quelque sorte comme une transfiguration de la réalité qui nous est proposée à travers le travail de Marc Auville. L'image, eh bien, c'est celle de l'église Saint-Julien de Tours. Quand on rentre à l'intérieur, qu'on découvre ces 30 000 poissons de verre et en même temps, toujours en verre, une forêt de baobabs et de bananiers. On a l'impression d'être dans un Éden, de découvrir l'église comme le nouveau paradis de l'homme. Et puis, le geste, eh bien, c'est celui des angelots, les bras ouverts, que Marc Auville crée et qui me donne l'impression de témoigner de ce qu'est le travail de Marc Auville, une grande générosité qui s'offre à son public. Voilà, n'oubliez pas de redécouvrir ou de regarder à nouveau notre documentaire sur Internet. Bonne semaine à tous.